Bon matin, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Ce matin, on est mardi. Je vais prendre la flèche à Zoé. Je vais aller porter les gars à la garderie, là, il est 8h. J'essaie de partir un petit peu plus tôt ce matin. J'ai l'impression que je pars tout le temps à la dernière minute, genre. Puis là, il arrive à la garderie, il est rendu genre 8h10. Puis en tout cas, ça me gosse un peu. Fait que j'essaie de partir le plus tôt possible, mais en même temps, j'aime ça prendre mon temps le matin. J'ai regardé quand Zoé trempe ses croquettes dans son eau. À quel point c'est dégueulasse. Fait que. Ça, je vais changer ça. Là. Je change genre 4 fois par jour parce que c'est beaucoup dégueulasse. Mais c'est ça. Fait que là, les gars sont à la garderie. Et à matin, j'ai essayé de porter mon chauffage parce que hier, Jérémy m'a ostiné. Il m'a dit genre, laisse la fenêtre de la cuisine ouverte. Non, non, non. Je l'ai laissé ouverte. Puis, turns out, il faisait genre 17 dans la maison. Fait que là, j'ai parti mon chauffage. Mais, tu sais, vu que ça fait fucking longtemps, genre, ça a fait partir mon détecteur de fumée. Pendant fucking pas longtemps, ça a duré comme 5 secondes, là. Puis il a arrêté après, genre. Mais c'est parce que moi, les gars, ben, ils dormaient. Je pense pas qu'ils dormaient encore, mais en tout cas, ça les a réveillés du bon pied, mettons. Du bon pied, pas tant. En tout cas, ça a sonné. J'étais genre tabarnouche, genre, c'est quoi l'affaire? Mais là, je l'ai éteint quand ça sonnait. Puis je me suis dit, attends, Zoé. Puis je me suis dit que j'allais fouiller dans mes trappes avant de voir si les gars avaient pas mis des affaires, tu sais, des objets, puis de la bouffe, des affaires de même. Parce que c'est vraiment leur genre. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça avant de repartir le chauffage. J'ai pas envie de créer un incendie dans ma maison, voyez-vous. Fait que, écoutez, je travaille à 11h. Puis j'ai pas grand-chose à faire. J'ai pas mal, comme je disais, je suis pour un âge hier. Il reste juste le salon, les gars sont sortis ce matin. Ça va prendre 2 secondes. Puis, je vais prendre mon café, je vais vivre ma best life de môme qui n'a pas grand chose à faire aujourd'hui. Puis voilà. Fait que là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une belle journée, puis on va s'en parler tantôt. Il est rendu 9h30. Je suis fraîchement sortie de la douche avec ma petite Zoé avec moi. C'est ça, avec là, je vais essayer le plus possible que mes cheveux sèchent là, avant de partir travailler, parce qu'elle ça me faire une couette avec les cheveux humides, là, c'est de la grosse merde. J'haïs ça. Mais c'est ça, je vais essayer le plus possible parce que j'ai pas de séchoir moi dans la vie. Puis je pense que je vais en demander à Noël parce que ça fait plus de sens de pas avoir de séchoir de même. Là. Genre, ça fait aucun sens. Fait que je vais peut-être en demander un pour Noël. Puis tu sais, au moins, tu sais, pas au jour le jour, là, juste quand je suis pressée dans le fond, puis il faut que je parte. Fait que c'est ça. Je suis sortie de la douche. Ça fait du bien. J'ai pas emmené Zoé avec moi aujourd'hui parce que depuis ça fait comme 2 ou 3 fois je l'amène puis j'ai de la misère avec là. Et vraiment, elle bouge beaucoup genre, puis là elle tombe dans le fond du bain, puis là elle capote, puis là en tout cas. Fait que je vais faire prendre sa douche comme peut-être dans le lavabo là en bas. Je vais essayer ça tantôt peut-être en venant de travailler. Fait que là j'ai comme bu la moitié de mon premier café, puis je suis montée me laver là, parce que je voyais le temps passer, puis j'étais comme, parce que là j'ai révisé mon vlog. Qui va être en ligne tantôt, là. Fait que c'est ça, je l'ai révisé pour être sûr que tout était beau. Puis là, je voyais comme plus le temps passer, puis là, j'étais genre fuck, moi, si je veux avoir les cheveux un minimum sèches pour aller travailler, faut que j'y aille tout de suite dans la douche. C'est ça. Fait que là-dessus, je vais aller me réchauffer mon café parce que je pense qu'il est rendu froid un petit peu. Puis on va s'en parler tantôt. Il est 10h45. Je m'en vais travailler. J'ai remis mon cardigan, mais je vais l'enlever rendu là-bas. Là. Il fait tellement chaud dans les locaux. Fait que hier, j'avais ça avec mes camisoles. J'avais tellement chaud. Mon Dieu, j'ai la face rouge. Fait que c'est ça. Je suis prête à partir. J'ai mis ça dans sa cage. J'ai parti la radio. Je la laisse jamais sans bruit. Je mets tant soit des bruits de perroquets, d'oiseaux ou la radio. Fait que je pars, puis on s'en reparle quand je reviens. Rendu à la construction à côté de chez nous. Ils ont tout fait la fondation, puis tout. Ça va être des belles petites maisons de ville. Voilà, sont rendus. Vous venez de voir la construction à côté de chez nous. Je vous ai montré ça. Vite, là. Je viens d'arriver. Il est 2h40. Ça a été une tellement belle journée. Un beau 3h30. J'ai vraiment aidé, là. J'étais là pour le dîner puis tout. Puis là, demain, c'est déjà ma dernière journée avec eux autres. Je trouve ça tellement en poche. Mais je pense vraiment que elle va m'écrire plus souvent pour que j'aille faire ça, là, parce que. C'est ça, je pense qu'ils ont vraiment plus besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin d'aide, genre, tous les jours. Fait que, tu sais, je disais à ma belle-mère, tu sais, si, genre, ma job, c'était ça, je serais vraiment dans avec l'idée, tu sais. Du lundi au vendredi, je m'en vais là-bas de 11h à 2h30. Puis comme,
c'est chill, là, tu sais, c'est comme, en tout cas, je trouve ça tellement cool, puis tu sais, rien m'empêche, mettons, j'ai un rendez-vous de le prendre comme le matin à 9h versus genre, justement, je vais le prendre à 3h, tu sais, je sais pas si vous comprenez. Tu sais, ça me gâche pas mes journées, là, de faire ça, tu sais, c'est sûr que c'est plate, c'est dans le milieu de la journée, mais je suis pas pressée le soir, je suis pas pressée le matin, c'est magique, fait que moi, là, faire ça, là, comme, tu sais, ça te fait comme une... Ça te fait comme une quinzaine d'heures par semaine, mais genre au moins, tu sais, c'est comme un horaire fixe. En tout cas, je trouve ça vraiment génial. J'aime vraiment ça faire ça. Tu sais, j'ai pris le temps, là, il y avait un... le petit bébé, le plus jeune, il y a comme 5 mois, puis il est tombé endormi sur moi avant l'heure de la sieste, genre. Elle est allée porter dans son lit. Dans son lit, il a dormi peut-être comme une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Là, il s'est mis à pleurer. Elle l'a ressorti. Il est resté avec nous un petit peu. Alors ça, j'ai fait boire son bureau, puis il s'est rendormi sur moi comme une. Tu sais, genre un autre bon 40 minutes, là, tu sais, fait qu'il a dormi. Les autres sont comme, moi, cet enfant-là dort juste une demi-heure, pis tout, pis je suis comme, clairement, il dort plus qu'une demi-heure, parce que, tu sais, je sais pas quoi, René, clairement, il dort plus qu'une demi-heure, là, il m'a dormi dessus, genre, pendant comme 1h30 en tout, là, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, j'étais bien contente. J'aime vraiment ça, pis, comme, là, j'ai rencontré la fille que je remplace dans l'autre groupe de 4 ans, que j'ai déjà remplacée, que je vous disais, pis que je remplace tout jeudi, tout vendredi. Fait que, c'est ça, c'est moi qui la remplace. Fait que, ben, je l'avais pas rencontrée vu qu'elle était pas là nécessairement. Mais, c'est ça. Fait que, là, au moins, je l'ai rencontrée, je sais c'est qui. Fait que, puis assez, je suis qui. Fait que, c'est toujours plus le fun de même. Fait que, c'est ça, j'ai pas grand chose à faire encore. J'ai pas fait de bordel, je reste assise toute la. Je suis allée travailler, puis je reste assise toute la journée à ma table. Fait que, là, à soir, faut qu'on aille acheter. De la litière puis de la bouffe à chat. Fait qu'on va y aller quand Jérémy va revenir. Puis on aime ça sortir en famille. Tu sais, j'aurais pu faire comme moi, je vais y aller tout de suite, genre, mais on aime ça comme faire sortir tout le monde. Puis comme. Ça nous aère toute la tête que de rester, tu sais, faire job, maison, job, maison, job, maison, tu sais. Fait que. Voilà. Ça va être une journée vraiment tranquille, hein. Je suis désolée. Ah, justement, je pense que j'allais lire les commentaires, voir s'il y a des commentaires sur mon nouveau vlog que j'ai mis en ligne à midi. Puis je pense que je vais commencer le vlog, le montage de ce vlog-là. Parce que il sera peut-être pas long. Je suis vraiment désolée. Moi, je trouve vraiment un sujet à vous parler, mais pour l'instant, pas vraiment. Fait que c'est ça. Fait qu'on va s'en parler tantôt. Je viens justement à la seconde où je lâche la caméra. Je repense à quelque chose que. Ben, je veux dire, c'est pas full important, mais je voulais vous en faire part pareil. Dans le fond, tu sais, je vous l'ai dit dans mon vlog d'hier, ma belle-mère est venue faire un tour. Hey, je vais me lousser les cheveux, là. Je les ai comme attachés, mouillés, puis ils sont comme pus, mais... Ils sont lourds. Ben, ils sont encore humides où il y avait mon élastique. C'est ça, comme ma belle-mère est venue hier, puis on parlait, tu sais, de l'achat, de l'éventuelle maison. Tu sais, genre, elle sait qu'on part bientôt, puis tout, elle est au courant. Mais, tu sais, c'est ça, elle m'a juste dit comme... Dans le fond, ça a toujours été fondamental qu'on n'achetait pas de maison à Gatineau. Parce qu'on n'est pas fait pour habiter à Gatineau. Pas qu'on n'est pas... Tu sais, je veux dire, une ville, c'est une ville, là, sérieux, on s'en fout. Mais je me vois vraiment pas finir le reste de mes jours ici, genre. Puis, comme d'être loin de ma famille, vraiment, comme là, en ce moment, tu sais, c'est pas que c'est moins pire parce qu'on peut quand même pas se voir. Fait que même si, genre, ma grand-mère, c'était ma voisine, je pourrais pas aller la voir pareil, tu sais. Mais, c'est ça, tu sais. Bref. Mais ça, je suis pas capable d'être aussi loin de ma famille que ça, puis de tout le temps... Tu sais, moi, là, quand je m'en vais à Granby, ben, c'est vraiment plus rare que je vais à Granby, mais quand je vais chez ma grand-mère, mettons, au camping, whatever, je fais un up and down, là, puis pour moi, ça, là, c'est 6 heures de route dans ma journée, là. 6 heures de route pour un souper, mettons, qui dure pas 6 heures, genre, je sais pas si vous comprenez. Je reste là-bas quand même plus que 6 heures, là, parce que je pars vraiment tôt le matin, puis j'essaie de revenir... Comme vers. J'essaie d'être chez nous vers 10h, là, tu sais, pour dire que je suis partie comme plus que 12h, là, tu sais. Mais reste que la moitié de ma journée, ben, c'est de la route, tu sais. Puis, tu sais, c'est vrai, je me vois vraiment pas faire ça toute ma vie, là. Comme j'en parlais aussi, j'haïs l'hiver. Genre. Ça me ferait vraiment chier, comme, à chaque hiver, de, comme, être obligée de canceller des parties, mettons, de Noël parce que c'est la tempête pis c'est dangereux pour moi de m'en aller chez mes grands-parents, mettons. Je sais pas trop si vous comprenez. Allô, Zoé! Fait que c'est ça, tu sais. Mais là, on parlait avec ma belle-mère, pis elle nous a comme
genre, je me sentais pas bien de passer d'ici parce que je voulais pas, tu sais, avoir les gars comme 4 fois semaine, puis là, ça va être comme, ah, mais tu vas peut-être les voir une fois par mois, tu sais, puis je comprends que ça peut être comme vraiment rough pour elle. Mais elle nous a comme donné sa bénédiction, genre, que ça y dérangeait pas qu'on parte, puis que, tu sais, elle a dit, tu sais, comme, tu sais, même si c'est à Green Bay, puis là, mon cœur est devenu léger, là, quand elle m'a dit ça, parce que. Ah, si j'ai pas le goût de pleurer. Parce que dans les deux dernières années, c'est ma belle-mère qui fait mon univers ici, tu sais. Puis là, j'étais comme. Puis là, je vais y enlever ses petits-fils, genre, pour mon bonheur, pour moi, genre. Puis je trouvais ça fucking con de faire ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, j'ai toute ma famille d'un bord. Toute. Genre, il y a personne qui habite pas dans ce coin-là, tu sais. Puis là, en faisant ça, on se rapproche du père à Jérémy aussi, tu sais. Nous, c'est que bénéfique si on s'en va là-bas, tu sais. Puis moi, je retrouve mes amis que ça fait 4 ans que j'ai laissé tomber, tu sais. Puis c'est ça. Bref. Fait que, hier, quand elle nous a dit ça, j'ai comme vraiment eu le cœur qui... Je me suis enlevée une tonne du cœur en me disant, hey, même si on le fait, ça va être correct, tu sais. Puis, je sais pas à quel point elle a dit ça pour nous faire plaisir. En même temps, elle est pas au courant, là, de fuck all, tu sais. Genre, tu sais, j'y dis pas que je regarde les maisons à Green Bay, j'y dis pas, tu sais. Pas dans le sens que je veux pas y dire, c'est juste que, tu sais, on est pas là-dedans en ce moment, là, tu sais. On regarde, mais on est pas là-dedans. Mais. Comme je vous en ai déjà parlé, tu sais, nous en ce moment on est en mode, hey gars, on va le faire pour nous puis pas pour les autres, tu sais. Mais quand même, j'avais de la misère à 100% à me laisser aller là-dedans parce qu'il y avait ma belle-mère ici qui est tout mon univers, tu sais, puis qui est tout l'univers de mes enfants aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Bref, fait que ça va vraiment vraiment alléger le cœur. Fait que mon Dieu, moi qui que j'avais rien à dire, finalement je pleure, tu sais, c'est niaiseux. Mais pour ceux qui ont peut-être vécu un dilemme comme ça, vous allez sûrement me comprendre, ou tu sais, genre si vous hésitez, tu sais, je pense que je l'aurais fait pareil, tu sais. Mettons là, mettons que ça se concrétise avec ma soeur, puis qu'on fait vraiment comme, ok, oui, je t'achète ta maison. Tu sais, Jérémy il essayait de dire hier, il a juste dit, tu sais, maman, s'il y a une opportunité qui nous arrive, pis que c'est là-bas, ben ça va être là-bas, tu sais. On veut pas passer à côté de quelque chose. Puis perso, je pense que quand il a dit ça, il parlait de la maison de ma soeur, tu sais. Parce que j'en parlais avec Jay, puis j'étais comme, cette maison-là... En passant, je dis la maison de ma soeur, la maison de ma soeur a acheté la maison à mon père, et mon père a acheté la maison à son frère. Fait que c'est mon parrain qui a fait bâtir cette maison-là. Mon parrain a vécu dedans. Mon père a acheté la maison. Mes parents se sont séparés, blablabla. Mon père a vendu la maison à ma soeur. Puis là, moi, j'aimerais beaucoup avoir la maison, tu sais. Puis, c'est ça, pour qu'elle reste en famille, puis tout. Puis c'est la maison que je me verrais jamais redéménager. Fait que c'est la maison où j'ai grandi, dans le fond. C'est la maison de mon enfance où j'ai vécu 18 ans, là, tu sais. Puis, c'est ça. Puis où je vis encore des super beaux moments parce que c'est chez ma soeur maintenant, tu sais. Puis je ne... 100% de ce que je recherche dans une maison, c'est dans cette maison-là, tu sais. C'est la maison de mes rêves, genre. Je veux pas avoir de grosses baraques avec... Tu sais, je veux pas vivre en campagne, je veux pas... Il y a plein d'affaires que... En tout cas, la maison de ma soeur est juste parfaite pour nous. Parfaite. Il y a 5 chambres. Le sous-sol est fini, il y a un grand terrain énorme. Il y a une piscine, tu sais, il y a un grand cabanon. Tu sais, c'est con, mais ça répond à 100% de nos critères, puis... Christy, si ça se concrétise, ben je la veux, cette maison-là, tu sais. Fait que, bref. Je voulais juste vous parler de ça un peu. Je suis désolée pour les larmes, c'est... Je sais pas à quel point... Je sais pas. Je sais juste pas. Il est rendu 3h35. Je vais préparer le petit biberon à Laurent. Parce que il boit tout le temps du lait avant de quand on va dans la garderie. Sinon, il est vraiment pas du monde. Je pense que je l'ai déjà dit. Mais c'est ça, sinon, il s'endure pas de vivre, là. C'est vraiment con. C'est vraiment, comme, dans sa tête, là. Mais, comme... Même si c'est de l'eau, ça marche pas, genre. C'est fucking con. Puis, j'ai fait comme un...
c'est comme, j'y mets comme 3-4, tu sais, j'y mets comme 4 onces, là, c'est vraiment, puis il finit pas, là, c'est même pas pour dire que, juste comme, ok, tu sais, c'est notre moment qu'on prend, tu sais, vraiment, comme, à tous les jours, puis le matin aussi, tu sais, le matin, là, Laurent a 14 mois, puis, tu sais, je me suis encore avec lui sur le sofa le matin, puis il boit son lait, puis tout, là, tu sais, ça fait bien mon affaire, puis ça fait bien la sienne, on aime ça, c'est notre petit moment, puis, pis c'est ça, hey, c'est hier, justement, quand la mère Jérémy est venue, Jérémy dit, oh ouais, mais tu sais, parce que la maman dit, ah, oh, votre famille est finie, pis tout, on était comme, non, tu sais, on sait comme beaucoup qu'elle a dit ça, mais en tout cas, whatever. Pis là, genre, Jérémy a dit, non, mais tu sais, ça risque d'attendre, genre, mais qu'on ait notre maison. J'ai regardé, j'ai dit, t'es malade, toi? Genre, si on a notre maison, là, pas l'été prochain, l'autre d'après, là, comme c'est prévu, là. Genre, t'es dans le champ, toi, là, que je vais attendre d'attendre là pour tomber enceinte, genre. Laurent va avoir. Comme Laurent va arriver sur ses 3 ans, puis je vais tomber enceinte. Hey, fuck off, là. En ce moment, Jackson puis Laurent. Ouais, Jackson et Laurent, ils ont 2 ans, 3 mois, puis Zach et Jackson ont presque 5 ans. Genre, à 2 mois près, là, ils ont comme 4 ans et 10 mois de différence, là. Pis genre, j'aille ça, comme, ils s'entendent pas bien. Comme là, Jackson veut faire comme le grand frère, mais le grand frère, ben naturellement, lui, c'est un grand frère. Désolée de cette coupure, mais Zach est arrivé, il m'a ouvert la porte dessus, fait que j'ai vraiment fait le saut. Mais c'est ça, t'sais, Zach, c'est le grand frère, pis il veut être seul, pis il veut faire ses affaires, mais depuis que les gars vont ensemble à la garderie, Jackson pis Laurent, genre, ils s'entendent tellement bien, pis ça va tellement bien. Que je me dis comme, hey, non, je vais pas attendre encore genre 2 ans là, pour avoir un autre enfant. Pour vrai, là, c'est. Moi, dans le meilleur des mondes, si ça fonctionne comme je veux vraiment, là, genre en 2021, j'aurai mon prochain enfant. Mais, je dis pas que je suis enceinte, mais aujourd'hui, je suis menstruée comme il n'y a pas de maille, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais c'est ça. Fait que bref, je vais chercher les gars. Puis, ensuite, Jérémy va arriver, puis on va chercher la bouffe à chat, puis là, il dit, bon matin, on est le lendemain. Mais à quoi, t'es dur en sacrifice. Mais, bref. Il est presque 7h. Il est 7h. Je me suis vue il n'y a pas si longtemps. J'ai snoozé la gang là, tellement longtemps. Genre, je pense que j'ai snoozé 4 fois le matin. Sérieux, là. J'étais vraiment fatiguée. Je serais vraiment restée couchée. Mais bon, c'est ça. J'ai fini par me lever. Je suis en train de faire le lunch à Zach parce que hier, je ne l'ai pas fait hier. Tu sais, quand je sais que je travaille tard, je le fais pas la veille. Tu sais, je le fais la veille juste. Quand je suis vraiment comme sur rappel puis que je ne sais pas si je travaille le lendemain, tandis que là, tu sais, je le sais que je travaille juste 11h, faut que j'avais le temps. Mais c'est ça. Fait que hier soir, j'ai fait un appel FaceTime avec ma meilleure amie. Puis on s'est parlé pendant genre. Pendant 2 heures. Fait qu'on s'est donné des nouvelles. On a parlé d'un peu de tout et d'importe quoi. Puis elle m'a fait. Elle m'a fait ressortir mon album de finissant. Fait que, genre, checké. Je l'ai été à côté de moi. C'était mon album de finissant. Donc, j'étais une finissante de l'école de la Haute-Ville à Green Bay en 2012-2013. Puis, genre, ici, il y a tout le nom des finissants, comme écrit. Puis, genre, mon nom, c'est le premier du deuxième paragraphe. Voulez-vous voir ma photo de finissante, la gang? Parce qu'on était pas beaucoup, nous autres, là. On était vraiment pas beaucoup de finissants parce que, dans le fond, notre école, c'était secondaire 1-2 à la base, mettons. Puis là, ils ont décidé de monter ça jusqu'à 5, mais graduellement. Fait que là, quand moi, j'étais rendue à aller en 3, ils ont mis le secondaire 3. Quand j'étais rendue à aller en 4, ils ont mis le secondaire 4. Puis quand j'étais rendue en 5, ils ont mis le secondaire 5. Fait qu'on était comme. Avant ça, le secondaire 2, on était toujours les plus vieux de l'école, mettons. Puis, c'est ça. Fait qu'on est les premiers à avoir gradué, genre, de. Mais il y avait tout en 5 comme dans le temps, parce que moi, mon père, il avait été à la même école. Puis dans ce temps-là, il y avait tout en 5, puis là, ben, il n'y en avait plus, tu sais. Mais c'est ça, bref, whatever. J'essaie de vous montrer ça, ou de vous montrer quelqu'un d'autre, là. Je sais pas trop là, à quel point vous voyez, ça focus pas bien, mais. Whatever. C'était une de mes plus belles années de vie, c'est mon secondaire, là. J'ai ben trop trippé à être au secondaire, fait que là, on se rappelait nos profs, on se rappelait. Parce que j'étais là. Ah, je suis sûre, je pourrais tout te nommer, genre, le monde qui est à mon école dans ma cohorte, pis tout, pis genre, fucking pas, là, il y a plein de monde, j'ai oublié. Je pense que j'avais plus de sac de sandwich. Fait qu'en tout cas, bref. On a parlé de ça, on a parlé plein d'affaires, fait que c'était vraiment cool.
Je suis en train de faire le lunch à Zach, comme je vous ai dit. Après ça, je vais aller réveiller Laura, je vais donner son lait. Je vais préparer tout le monde. Puis, ça va flyer à la garderie. Je travaille de 11 à 2h30. Puis là, demain, c'est mes deux grosses journées. Je sens que ça va être lourd. Mais bon, ça va être deux jours à ça. La paix. Fait que, ça, hey, Zach, il me foule ça, les jus même. C'est comme de l'eau à saveur, là. Trip. Fait que une petite pomme, puis je vais racheter deux petites collations pour son dîner. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye!